Peggy 16. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. I'm De Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Charming welcoming committee. The new governor's cousin. I've heard stories about you. No, not Dagon, not them! Our people have always lived in harmony with nature. Our very existence revolves around her, yet you call the spirit that guides us demon. It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. One of our frontier posts has just suffered a brutal attack. We didn't want this fight. Tell me then, what is your intended purpose? Do you renounce your gods? The spirits of your lands must be quite horrendous to cast down such evils upon the peoples that live there. Take your time to think about the consequences. If this remedy can heal one from the Malachor, alas, not yet. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. All my blessings go with you, my child. Tyr-Freddy! Ahoy! Many images. They were so real. Answer your own questions. I'm De Sade, and I would like to negotiate her liberation. Who sent you to find me? Well, who are you? Your heart is the heart of a Renaixe. Hateful, on a réellement voulu retourner aux gènes, aux racines du RPG, avec notamment vraiment une insistance sur l'exploration d'un monde qu'on a complètement original, qu'on a conçu pour Hateful, qui s'inspire du XVIIe siècle, mais fantastique, et donc avec une part de magie à découvrir. Le personnage du joueur reçoit une mission officielle qui est de partir avec notre cousin pour donc une nouvelle île qui a été découverte il y a peu. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles and we might find a cure. La mère du joueur est en train de mourir de la malicorne. Trouver un remède à cette maladie qui est en train de ravager complètement l'ancien continent est aussi quelque chose qui va être vraiment un fil conducteur et le but principal en réalité du joueur. L'île est extrêmement riche en faune, en flore inconnue. C'est vraiment l'espoir d'un nouveau monde qui peut-être pourra sauver l'ancien monde. Captain Vasco. And you are? I'm De Sade, the prince's nephew. Il est toujours bien de s'appuyer sur des références solides. En l'occurrence, c'était avec le 17e, qui était une époque qui n'était pas forcément représentée dans le jeu vidéo, qui regroupe tous les arts, aussi bien la peinture, la musique, la sculpture, avec l'architecture,
le stylisme et tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on puise. Une fois qu'on s'en est inspiré, on fait toute une série de recherches avec nos différents artistes. On n'avait absolument pas envie d'être strictement historique. Ça devait rester être une inspiration. On avait effectivement envie beaucoup plus d'inviter au rêve, à l'exploration, à la découverte d'un univers nouveau. La fantaisie aussi a cet intérêt qu'il me semble relativement nécessaire dans un jeu de rôle, d'amener de la bizarrerie, de la magie. L'île elle-même, en fait, est un personnage. On ne l'a pas conçu en tant qu'environnement comme ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a souhaité apporter une variété, une richesse. Meneda, Meneda, Meneda. Ces questions m'amenaient, moi, à réfléchir à effectivement, l'histoire de cet endroit en particulier, de la géographie de l'île notamment, de l'histoire des différentes tribus et clans qui sont présents sur cette île, l'histoire du coup aussi des créatures. C'est quelque chose qu'on a eu assez tôt envie d'ajouter dans l'univers, c'est que les créatures les plus fantastiques aient une histoire, qu'elles soient pas là de manière gratuite. Donc on a effectivement pensé à leur origine, ce qui les avait amenées là, pourquoi elles étaient comme ça. Les récits d'explorateurs, ou en tout cas de gens qui les accompagnaient, de naturalistes ou de savants de l'époque qui souvent accompagnaient les explorateurs, on est assez surpris par les dessins ou les descriptions qu'ils font des environnements qu'ils venaient de découvrir, parce qu'ils sont finalement éminemment teintés de merveilleux. Et c'est quelque chose aussi, effectivement, qu'on a voulu retrouver dans l'expérience de jeu. Gridfall se veut permettre aux joueurs le fait de pouvoir vraiment expérimenter, vivre le même rêve qui guidait les explorateurs à l'époque. C'est justement ça, faire en sorte qu'un joueur un peu curieux puisse vraiment découvrir l'histoire de chaque village, de chaque famille, de chaque créature au cours de ce périple. J'ai tendance à penser, et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement souvent dans nos jeux, que ce qui fait un jeu de rôle, c'est l'importance des choix. C'est le fait que les choix qu'on va prendre au cours de l'aventure vont effectivement modifier l'histoire, vont modifier la perception qu'on a de ce monde-là. Et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve aussi dans la création de personnages, puisqu'on peut décider qu'on joue un personnage masculin ou féminin. On va pouvoir un peu customiser son aspect physique. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Dans notre histoire en tant que développeur, mais en tant que joueur et personne aussi, il est certain que le jeu de rôle, y compris le jeu de rôle sur table, ça nous a énormément influencé dans la manière dont on a imaginé ce jeu, c'est tout ce système d'interaction. Et le fait d'avoir autant de factions différentes, que chaque faction ait sa philosophie, qu'elle ait des personnages importants qui amènent vraiment de la narration, on va pouvoir découvrir les sales petits secrets des différents gouverneurs, le sale petit secret de chaque faction, et les utiliser contre eux si on le souhaite. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord Dorset's condition in spite of our inquiries. Deux joueurs qui n'ont pas fait les mêmes choix d'alliance, qui n'ont pas fait les mêmes choix de compagnons à tel ou tel moment, ou les mêmes choix dans certaines quêtes, vont se retrouver à ne pas vivre exactement la même histoire. Et ça nous a paru être quelque chose de très important. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. On a un arbre de compétences qui est extrêmement vaste, avec des compétences très variées. On a des compétences, on va dire, plutôt orientées vers l'assassinat, puisqu'on peut empoisonner ses armes aussi. On a vraiment essayé de proposer suffisamment de compétences pour que le joueur puisse orienter son personnage dans le style de jeu qu'il a envie de retrouver. Outre les armes donc, qui sont très variées, comme je le disais, on a aussi tout un lot d'armures différentes. Chaque faction a sa propre mode, on va dire, son propre type de costume. Et tous ces costumes sont évidemment portables par le joueur. Enfin, on a, j'en parlais tout à l'heure, des compétences sociales,
qui permettent là d'interagir avec l'univers. C'est pas que des compétences sociales d'ailleurs, puisque on a notamment la compétence de craft de manière assez classique qui en fait partie, qui permet donc de façonner des objets ou d'améliorer des objets déjà existants. En fait, on nous dit souvent qu'on est trop ambitieux. Parce qu'on est un petit studio, parce qu'on est une petite équipe, mais on le fait pas par justement par pure ambition, je crois pas du tout que ça vienne de là. Je crois que c'est parce que c'est par amour en fait. On crée ces univers avec, oui, beaucoup de passion, de tendresse en fait pour les personnages qu'on crée, pour les créatures qui vont peupler ce monde-là. C'est quelque chose qui nous, je crois, qu'on a tous envie au sein de notre équipe de développer. Pour être vivant, il faut donner, il faut être généreux. Je crois que c'est un peu une des. Effectivement, quelque chose qui nous tenait à cœur, ce Gridfall. Welcome to Gridfall, the core role-playing experience by Spider Studio. Explore the uncharted island of Tir Fredi, which holds promises of secrets, treasures, and adventure. From the very beginning, you're given the freedom to make your character unique. Decide on your appearance from a range of options before diving into your starting skills, attributes, and talents. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Though you can specialize, you're free to mix and match between all disciplines, ensuring you're prepared for all that lies ahead. Combat styles are varied. Quickly rush in and out of the fray using magic. Hold foes in place with stasis and unleash devastating spells before your enemies can even land a blow. Armor up and knock down enemies with slow but deadly two-handed weapons. Or parry your way to victory with a fast flurry of your rapier. If you really don't want to play fair, an array of traps, bombs, poisons, pistols, and rifles serve to offer even more control of the battlefield. During particularly intense fights, you might want to utilize the tactical pause option. This gives you unlimited time to select from your actions, spells, techniques, and potions to use on the target you wish. All styles of play benefit from the use of Fury. A potent resource that lets you unleash some of the most powerful attacks in the game. Gridfall features hundreds of pieces of customizable equipment, armor, and clothing, letting you delve deep into creating your own look and playstyle. Many of these are specific to the island's distinct factions and may double as a disguise if subterfuge proves necessary. During quests and exploration, overcome challenges using stealth, deception, and combat. Or a mix of all three. Struggling to gain entry to a guarded building? You're in our territory! The obvious solution might be to just kill all the guards in combat and loot the key, but that kind of decision-making could have messy consequences. Over time, you'll develop skills that offer alternative solutions. Knowledge in the sciences might allow you to craft explosives to blow out a wall, while a talent for lockpicking can gain a less destructive entry. Remember, using force is not always the best way to defuse a situation. That drunkard is the only son of the Prince d'Orsay. Diplomacy is often an option, though be mindful in your choice of companions. What have you done with my mother? A poorly timed outburst might ruin your chances at a peaceful outcome. You're acting like a beast. An ever-growing cast of colorful characters from a diverse range of factions joins you on the island. Who you bring with you into quests and combat is up to you. As you compose your party of three from the companions you've met so far, develop your relationship with each party member. And I hope that their singular appearance makes me more attractive to you. Undertaking personal missions relating to their unique backgrounds, the strongest of friendships may even lead to romance. Thanks to your party's different, often conflicting beliefs and motives, it won't always be possible to please everyone. Ignore someone's needs for too long, and they might not stick around, becoming antagonistic in the worst of cases. Political diplomat, or battle-hungry warrior, zealous hunter, or champion of the natives. No matter what you choose,
Forge your own destiny in Greedfall. Today's the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. In Greedfall, the world and your story are ever-changing based on the choices you make. You'll enter the island of Tyr Fredi, not to act as an assassin or soldier. First and foremost, you are a diplomat, with all the social powers and status that come with it. You're free to explore every faction's settlement and deal with the powers that govern each. To overcome the challenges ahead, you'll need to befriend members of every faction, some of whom will journey, fight, and talk alongside you. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing, but thank you for your help. Compose your party of three from anyone who's joined you so far, but choose carefully. Each companion brings something different to combat. Kurt, your loyal master of arms and mercenary of the Coin Guard Guild, makes for a great frontline warrior. Meanwhile, Afra, a talented scientist from the Bridge Alliance, specializes in ranged weaponry, such as rifles and throwable explosive files. Regardless of who you choose, be sure to regularly switch out and upgrade your companion's equipment and weapons, or you may find yourself overwhelmed in battle. During dialogues and diplomacy, your party members will chime in and react depending on your choices and what's being said. My son, it is clear this woman has no intention of helping us. I ask you to forgive these foreigners. They do not know our customs. For example, Siora is a Tyr Fredi native, fiercely protective of her people's rights. Sides strongly with someone antagonistic to the natives while in her presence, and an angry interruption may force your hand into bloodshed. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. Be sure to pay close attention to your party members' needs. Each has their own story and unique personal quests. Ignoring them for too long may even cause them to leave the party. Petrus is a missionary of Teleme with a remarkable way with words and an outwardly fatherly nature that masks deep-rooted ambitions. Vasco, a captain of the seafaring knots, is one of the more secretive, closed members of your party. Spend time with the captain and complete his personal quest line, and he'll inevitably open up. Develop close friendships with all of your companions, and some may even lead to romance. Never forget, relationships in Greedfall can be as uncertain as the seas that ravaged Tyr Fredi's shores. Constantine, I'm here. Pull yourself together. Nothing said or unsaid can be taken for granted. Ultimately, the choices you make will shape the future of the island. We didn't want this fight. And the lives of all upon it. You are too blind. Too renaissant to understand. And this journey is his long-awaited chance to prove his worth. Tyr Fredi! Ahoy! I saw many images. They were so real. Spare their lives, I beg you. Who sent you to find me? What are we going to do? Watch out! Look at what your people have done.